donc opticien à Salins-les-Bains, donc ce que je qualifie moi de opticien de proximité, puisque du coup c'est vrai que c'est un travail qui est un petit peu différent des grandes villes. On prend plus le temps de faire les choses, on prend plus le temps de discuter avec les clients, et puis je suis établi maintenant depuis le 2 novembre 2011. Comment vivez-vous un peu cette période ? Cette période, je dois bien avouer que pour les opticiens, c'est un peu honteux, mais c'est pas désagréable, parce qu'on a dû mettre en place avec la Covid le rendez-vous. Et je dois bien avouer que c'est très confortable, et pour le client et pour moi, de fonctionner sur rendez-vous. Ça permet d'éviter qu'il y ait des attentes trop longues quand il y a déjà des clients qui sont à la table de vente. Donc ça permet vraiment d'écourter les attentes. Donc on voit bien que l'activité a continué. Premier confinement, on a été fermé comme tout le monde. Moi, je cache pas que j'étais assez surpris. Et au deuxième et troisième confinement, ils ont compris qu'on était indispensable. Donc on a pu ouvrir. Donc moi, au niveau de l'activité, j'ai pas tellement ressenti de baisse. Ça se passe globalement comme ça se passait avant, mis à part, comme j'expliquais précédemment, ce confort au niveau des rendez-vous. Mais en termes d'activité, globalement, ça va très bien. Après, je suis moi plus chagriné du fait que moi mon activité fonctionne. Je suis un peu chagriné par rapport à tous mes confrères et collègues commerçants, restaurateurs, dans la culture et toutes ces activités-là qui sont malheureusement fermées et auquel cas, enfin, je pense très fort à eux. Mais moi, de mon côté, effectivement, ça se passe très bien. Ça n'est pas réellement impacté par la Covid. Les fournisseurs, parlez-nous justement, on a envie de parler un peu de lunettes jurassiennes, alors expliquez-nous comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu du coup une baisse de production liée à... Non, pas forcément. Alors, sur les acteurs locaux, non, j'ai pas franchement ressenti de baisse ou de gêne du fait du Covid. Je le ressens plus sur certains... quand on n'est pas au local, en fait. Quand on n'est pas en local, là, je remarque j'ai quelques difficultés avec certains fournisseurs. Les délais sont rallongés. Là, j'ai un fournisseur notamment qui a eu un cluster. Du coup, ils ont dû prendre des intérimaires qui sont pas forcément formés. Et j'ai très régulièrement des erreurs. Donc, il faut que je sois un petit peu plus vigilant à contrôler le travail des autres, et ce que je n'avais pas tellement à faire avant, puisqu'on a globalement avec les fournisseurs très souvent une relation de confiance. Et là, la confiance, j'avoue qu'elle est un peu ébréchée. Mais on y arrive. Après, il faut surveiller, c'est un petit peu plus de travail, mais on ne va pas se plaindre d'avoir du travail à notre époque. Alors, pour vous, le consommer local, c'est important quelque part ? Et c'est primordial, et là, je pense que les gens en prennent conscience et qu'il a d'autant plus son intérêt dans cette période-là où effectivement c'est tellement plus confortable, c'est tellement plus agréable, et puis il y a moins d'erreurs, il y a moins de choses comme ça. Et moi, je suis un partisan du consommer local, mais je suis opticien de proximité, donc forcément je vais prêcher pour ma paroisse. Mais j'essaie de faire travailler effectivement le plus possible au niveau des fabricants de montures, les locaux. Et puis, bonne nouvelle, on est dans le Jura, donc on a de quoi faire. Alors, un petit message aux Salinois ou à vos clients, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là maintenant ? Eh bien, merci de me faire confiance depuis toutes ces années, merci beaucoup. Faites attention, respectez les gestes barrières, prenez soin de vous, avec plaisir quand vous le souhaitez au magasin.